Ouais, c'est bon, il y a un sable et un 8-16 de la montre pour BCP. Oh, mais c'est bon, c'est impeccable alors. Par contre, ça va être juste pour charger avant midi. Ouais, mais... Oui, on remarque, oui. Là, un peu, bon, on n'est pas très loin, mais le temps qu'on y arrive. Hein. Ouais. Ah, parce que là, on va ressortir... mais à CB, au... passe droit qui a l'entrée de CMP là. C'est la passe droit à l'envers quand tu viens de Libourne. Ah oui, peut-être, oui, oui. Je vois où tu veux dire. Ouais, on sort là. Ouais, bon, je serais con de remonter à 10, mais bon. Voilà. C'est bizarre qu'il nous l'ait enfin, qu'il nous l'ait pas donné hier soir, quoi. Ben ouais, ben, elle m'a donné que ça. Là, le seul, je l'ai eu en direct, Tony. Il me dit, mais ils vous ont pas donné, qu'ils l'ont pas donné hier soir. Mais il dit, non, non, on avait que le sable à Nojac, là. Nojac. Ouais, donc c'est... Non. Donc ils le savaient depuis hier soir, mais les filles, elles ont... Ben Léa l'a complètement zappé, quoi. Ben, je sais pas, parce que bon, il m'a mis en attaque, il a regardé, et puis il m'a dit, ben c'est bon, vous remontez le sable et le 8-16. Vous prenez le, si vous voulez, ben je dis, moi je vais prendre le sable comme j'ai la vache, et tu vas prendre le 8-16. Oh, ben il n'y a pas de problème, ouais. Voilà, bon, par contre, tu ne me verras pas à Périgueux. Ah, ben tant pis, hein, que tu veux y faire. Ouais. On va activer un peu, même si on arrive à midi, Alex, s'il il nous changera. Ouais, ouais, normalement, ouais, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, parce que le changeur, je crois que lui, à midi, il arrête, hein. Ouais, mais c'est le chef de la carrière. Le problème, c'est que Alex, après, le vendredi, il n'y est pas, après-midi. Donc, c'est Daniel, là, qui charge et il reprend qu'à 2 heures, lui. Ouais, donc, il faudrait qu'on y arrive, ouais, avant midi, qu'on qu'ils puissent nous charger, puis comme ça, on est peinard, quoi. Ouais, voilà. Voilà, parce que moi, je lui ai pas demandé autre chose, là, Tony. Hier, on vient de vider nos gens, là, et on est pas loin de la motte, il nous faudrait un retour à la motte, quoi. Comme il t'a dit, putain, mais elles ne vous l'ont pas donné hier soir. Donc, à mon avis, je pense que c'était déjà prévu, mais comme je te disais tout à l'heure, Léa a dû le zapper, quoi. Ouais, ouais, c'est fort possible, à moins que... parce que c'est Jules qui fait les plannings, bon, plus Tony Luel, c'est son second, mais bon, je trouve qu'il n'avait pas marqué. Hein. Ah ouais, bon, alors si c'est comme ça, oui, effectivement. Bon. En bac en plus, on passe devant, parce que là, on va rattraper, on va pas revenir à Libourne, hein. On va rattraper, ben là, Saint-Pé, après... mais on va passer, on va aller jusqu'à Bois-la-Motte, après jusqu'à Sainte-Foy, c'est à Fort-Sainte-Foy, et on va remonter au travers jusqu'à Michigan. Ouais, ben comme on fait d'habitude. Voilà. Comme on fait d'habitude quand on charge à la monte. Eh ben oui. Ouais, mais on n'aurait pas chargé à la monte sur IRU, on aurait pris la même route. Bon, mais tant qu'à faire, oui. D'ailleurs, on n'avait pas se casser les couilles à repartir en arrière pour aller à Libourne, pour faire un grand détour, pour revenir au même. Hein. Voilà, voilà. Bon, quand on est arrivé là-bas, à Nogent, j'avais pas vu cette route à gauche là, qui amenait à Branne. Alors là, on a gagné du temps par contre. Ça a évité de revenir au Grand Carrefour pour prendre la direction de Branne, quoi. Là, tu vois, Bergerac, Castillon, Saint-Pé-d'Armen, et voilà. Toi, tu vas te reconnaître. Castillon, le Bataille, c'est bon, Saint-Pé. Ouais, normalement, on ne va pas tomber loin, là. Ouais. J'y pensais, hein. Je vais l'appeler.